Vous m'entendez bien? Parfait. Donc, comme vous pouvez voir, maintenant, je porte les lunettes. Pour ceux qui ne voient pas la maison par la diffusion, peut-être que c'est nouvelle pour vous. Ça fait environ 2 ans qu'on ne s'est pas vu dans le contexte de congrégation dans une église. Alors, je suis heureux d'être là aujourd'hui. Et je suis convaincu que malgré vents et marées, même si on peut paraître comme des eaux desséchées, par contre, je suis convaincu que le Seigneur a un plan pour nous. Et c'est un plan qui aboutit à faire des disciples, comme dit le titre, mais en bout de ligne, c'est que nous soyons prêts pour la venue du Christ, qu'on reflète son caractère et qu'on soit prêts à l'acclamer. En êtes-vous convaincu? Amen. Ceci dit, des fois, il faut entendre, il faut faire un état de fait et il faut être réel par rapport à notre état si on est pour changer de direction et aller de mieux en mieux. Donc, des fois, on a besoin d'entendre des choses qu'on n'aime pas. Et je sens que c'est pour ça que Dieu a fait en sorte que dans toutes les circonstances, premier serment où on est, circonstances un peu, parce que c'est pas, je vais être honnête avec vous, c'était pas moi qui était prévu. Il y a eu des vents et marées qui ont changé les directions. Parce que premier sabbat du mois, ordinairement, si on avait fait l'année de l'année, ça aurait été un tout autre sujet, mais Dieu avait d'autres plans et je suis convaincu que le plan, c'est qu'on entende le message en bout de ligne. Alors, je prie vraiment, je vous prie, je nous prie, parce que je suis inclus là-dedans, bien entendu. De porter attention à ce qui va être dit. Alors, avant de commencer, nous allons prier. Tant le Père Céleste, ton peuple est à l'écoute. Parle-nous au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. On va commencer, bien entendu, avec les Écritures, parce que c'est la base, le fondement de nos croyances. C'est Marc, chapitre 3, les versets 13 à 19. Marc, chapitre 3, les versets 13 à 19. Quand vous y êtes, dites « Amen » comme « Back in the days ». Amen. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut, vous pouvez lire avec moi, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananéen et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Alors, c'est ainsi que Jésus, au départ, il a établi ses apôtres. Et ces derniers, ils avaient comme mission, notamment après la résurrection et l'ascension du Christ, de servir de témoin de Jésus. De servir de quoi? Témoin. Ils devaient proclamer ce qu'ils avaient vu et entendu du Messie, ainsi que former et éduquer d'autres disciples, afin que ces derniers puissent à leur tour proclamer l'Évangile. Maintenant, pour que les apôtres puissent accomplir cette tâche, Jésus leur promet l'assistance divine. Donc déjà là, on a une source de réconfort que si Dieu nous donne une tâche à faire, il promet d'être avec nous pendant que nous faisons cette tâche. Est-ce une bonne nouvelle? OK, maintenant on va voir de quoi il s'agit comme assistance divine. Actes chapitre 1, les versets 4 à 9. On est dans le livre des Actes, chapitre 1, les versets 4 à 9. Voici ce qu'il a dit. Lisons ensemble. Comme il se trouva avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem,
mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du... » Du quoi? Continuons. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée se déroba à leurs yeux. Alors on voit que le Christ, il avait promis que le Saint-Esprit viendrait pour guider les disciples et les fortifier dans la grande tâche qui leur était confiée. De plus, Jésus avait clairement mentionné ce qui devait être la priorité des apôtres. Ce n'était pas de se concentrer sur le moment précis où Jésus reviendrait pour établir son royaume éternel, mais plutôt d'être des témoins de Dieu au sein de leur entourage immédiat d'abord et ensuite dans le monde entier. Ultimement, l'objectif de tout chrétien est de refléter le caractère parfait de Jésus-Christ. En effet, dans Luc 6, le verset 40, il est écrit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » En effet, un disciple complètement formé va être à l'image du divin maître, le Seigneur Jésus. Est-ce votre souhait? Et maintenant, on va dans Apocalypse chapitre 1, les versets 19 et 20. Apocalypse chapitre 1, les versets 19 et 20. Vous y êtes? Bon, j'attends un petit peu. Vous y êtes? Lisons ensemble. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans la main droite, et de sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges de cette église, et les sept chandeliers sont les sept églises. Alors, du temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui, l'Église de Dieu a évolué. Diverses périodes de l'histoire chrétienne sont symbolisées par les sept églises de l'Apocalypse. Comme le prêtre dans l'Ancien Testament, dans l'époque de l'Ancien Israël, il avait comme mandat de s'assurer que le chandelier restait toujours allumé dans le sanctuaire, bien Jésus, notre grand prêtre, notre souverain sacrificateur, il s'assure toujours à travers les siècles qu'il y a, que son Église puisse briller comme un chandelier dans le monde. Est-ce une bonne nouvelle? En êtes-vous convaincu, tout d'abord, que Jésus, à travers les siècles, il s'est toujours assuré que son Église brille au sein d'un monde de ténèbres. Okay. Nous pouvons être convaincus que Jésus-Christ et le Saint-Esprit dirigent l'Église. Christ a ainsi toujours suscité des individus qui ont proclamé le message de la vérité à toutes les époques de l'histoire. Alors, je vais commencer avec le temps de l'Église primitive. Donc, de l'an 34 à l'an 100, on sait que les apôtres ils s'occupaient de proclamer le message et de faire des disciples. Ensuite, de l'an 100 à l'an 313, c'était des nombreux martyrs qui témoignaient de la vérité par leur sang, à l'instar d'Étienne. Ensuite, de 313 à 538, ça a été les croyants qui rejetaient une fausse doctrine qui se répandait, qu'on appelle la grâce à bon marché,
le fameux dicton, ben, pas notre dicton, mais un dicton qui dit une fois sauvé, toujours sauvé. C'est à cette époque-là que cette doctrine commençait à contaminer l'Église, mais il y avait des croyants qui refusaient d'adopter cette fausse doctrine-là et refusaient d'adopter le paganisme qui rentrait dans l'Église. Et ces chrétiens fidèles, ils témoignaient de l'évangile de Christ et ils formaient des disciples dans un environnement d'apostasie ecclésiale, une apostasie générale. Ensuite, on se transporte de l'an 538 à l'an 1517. Ce furent des personnes comme les Vaudois du Piémont, ainsi que des réformateurs comme Jean Wyclef, Jean Hus, qui formaient des disciples et qui proclamaient le message de l'Évangile au risque de leur vie. Ensuite, on va de 1517 à 1755. Ça a été le grand mouvement protestant, commençant par le réformateur Martin Luther, suivi de Jean Calvin, ensuite les pères pèlerins qui ont migré aux États-Unis, puis Roger Williams qui a lutté en faveur de la complète liberté de conscience, à la fois civile et religieuse, dans le Nouveau Monde. Donc, pour ceux qui voient les histoires des États-Unis, vous verrez que c'est grâce à lui en grande partie que les balises de liberté civile et religieuse ont été établies dans ce pays. Ensuite, de l'an 1755 à l'an 1844, ça a été un grand réveil spirituel international qui suscita plus tard le mouvement adventiste. Et ce fut un témoignage puissant de la vérité biblique. Et après 1844, ce fut l'Église adventiste du septième jour, en commençant par les pionniers jusqu'à présent. Maintenant, l'Église adventiste du septième jour continue de briller. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Voici maintenant la question. En considérant l'état de notre Église et en examinant nos vies respectives, est-ce qu'on peut nous classer dans cette catégorie d'individus? Notamment concernant l'impact qui a retenti dans leur entourage immédiat et dans le monde. Est-ce que le message de la vérité biblique est fidèlement proclamé dans notre entourage immédiat, à savoir la région de Montréal, ou, si on veut aller un peu plus broad, un peu plus large, la province de Québec? Luc chapitre 12, le verset 48. Luc chapitre 12, le verset 48. Vous y êtes? Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Maintenant, je vais vous lire une citation de Témoignage pour l'Église à la page 344. En un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des porte-lumière. On pourrait dire aussi des chandeliers. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière éblouissante. Leur tâche est d'une importance capitale. La proclamation des messages du premier, du second et du troisième ange. Aucune œuvre ne peut lui être comparée. Je répète, aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. Les vérités que nous devons proclamer au monde sont les plus solennelles qui aient jamais été confiées à des mortels. Je répète,
Les vérités que nous devons proclamer au monde sont les plus solennelles qui aient jamais été confiées à des mortels. C'est là notre travail. La vérité qui a été confiée à l'Église adventiste du septième jour, ça surpasse tout ce qui a été confié au peuple de Dieu des siècles précédents. De ce fait, selon ce qu'on vient de lire dans Luc 12, le verset 48, Dieu exige davantage de notre part que tous nos prédécesseurs dans la foi. Nous devons être prêts à endosser cette responsabilité et à agir en conséquence. On doit être également prêt à supporter l'opposition et les difficultés. Il est écrit dans 2 Timothée 3, le verset 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » On doit donc s'attendre à des attaques de l'extérieur du cadre de l'Église et aussi au sein même de l'Église. Enfin, les plus grands opposants à la proclamation de la vérité sont souvent les croyants à l'intérieur de l'Église. Néanmoins, on doit être prêt à aller jusqu'au bout de la mission, quoi qu'il advienne. Est-ce que nous sommes prêts à faire ça? La Bible nous fournit un exemple d'une pareille situation. On a le cas d'un prophète qui a eu un grand impact sur son environnement immédiat à son époque, ainsi que sur le monde entier, et encore aujourd'hui, on lit un livre qu'il a rédigé. Lui-même, il a dû passer à travers de l'opposition et des tribulations. Maintenant, on va relire le texte de méditation, mais on va le voir dans un contexte hors du commun. Ésaïe, chapitre 6, le verset 8. Ésaïe, chapitre 6, le verset 8. Quand vous y êtes, dites « Amen » avec conviction. Lisons ensemble. « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Ce verset biblique est très populaire, n'est-ce pas? En effet, il y a une multitude de sermons qui traitent les versets 1 à 8. Je pense que dans mon cheminement adventiste en est à l'église et tout, j'ai souvent entendu les versets 1 à 8. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est la même chose pour vous? Cependant, on ne porte pas attention au verset 9 jusqu'au verset 13. Ça, c'est rarement discuté. Et je sens que c'est une faille. Quand on étudie la Bible, on devrait étudier toute la Bible. Je sens qu'il y a une paresse, malheureusement, et c'est pour ça qu'on va utiliser des versets qu'on connaît parce que c'est plus facile. Faire des recherches exposées est notre priorité. C'est impossible de refléter le caractère de Dieu si on ne fait pas des recherches sérieuses des Écritures. Continuons. Juste avant, une large portion du chapitre est négligée. Aujourd'hui, on va maintenant analyser les versets 9 à 13 du chapitre 6. Nous aurons ainsi une meilleure perspective de la déclaration « Me voici, envoie-moi ». Maintenant, Ésaïe 6, les versets 9 et 10. Il dit alors « Va » et dit à ce peuple « Vous entendrez et vous ne comprendrez point ». Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Mais, question numéro un. Est-ce que Ésaïe, en tant que prophète, il avait comme mission de s'assurer que le peuple d'Israël n'entendrait pas son message? Est-ce que c'est ça son but? Devait-il rendre insensible le cœur des Hébreux, littéralement?
Ésaïe devait-il endurcir leurs oreilles et lui boucher les yeux? Devait-il travailler à ce que le peuple ne soit ni converti ni guéri? Donc Dieu l'a ressuscité comme prophète pour lui dire, assure-toi que ces gens-là soient perdus. Mais la réponse est non, n'est-ce pas? Parce qu'on est d'accord? J'espère que la réponse est non. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous êtes d'accord que la réponse est non aux questions posées, dites amen. OK. J'ai eu peur pour la sortie. OK. Mais à ce moment-là, comment devons-nous comprendre les versets 9 et 10? Parce que si ce n'est pas ça, mais c'est quoi alors? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? On va voir une réponse dans un contexte similaire. Un texte similaire, parlant d'endurcir. Exode chapitre 7, le verset 2 à 4. Parce que la réponse de toutes les questions qui viennent des Écritures vont être dans les Écritures. Ça va précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Exode chapitre 7, le verset 2 à 4. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël par de grands jugements. Alors, parlant d'endurcir le cœur, on a comme référence le récit de la sortie d'Égypte. La Bible cite que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Le Seigneur a aussi multiplié ses signes et ses miracles dans le pays avec le but de délivrer son peuple. Ben, sachant que Dieu il n'a pas littéralement endurci le cœur de Pharaon, ben comment est-ce que ce passage peut être compris? En fouillant Patriarche et Prophète, la page 242, on obtient la réponse. Voici ce qui est dit. Parlant du Pharaon, Dieu avait déclaré, « J'endurcirai son cœur » et il ne laissera point partir le peuple. Cet endurcissement n'était pas l'effet d'un pouvoir surnaturel et arbitraire. Dieu lui donnait des preuves irréfutables de sa puissance, preuves dont il refusait de reconnaître l'évidence, en fermant volontairement les yeux à la lumière. Chaque résistance le confirmait davantage dans sa rébellion et il marchait désormais tête baissée au-devant de son destin. Il passera d'un degré d'obstination à un autre jusqu'au moment où il sera appelé à contempler les visages inanimés des premiers-nés de tout son peuple. Hélas, Dieu parle aux hommes par ses serviteurs. Par ses avertissements et ses censures, il donne à chacun l'occasion de se corriger avant que le péché soit trop enraciné dans son cœur. Celui qui refuse de s'amender en portera les conséquences et Dieu ne s'interposera pas. Un acte coupable prépare le chemin au suivant et rend le cœur moins sensible à l'influence du Saint-Esprit jusqu'au point d'être incapable de le percevoir. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça, c'est une citation de Galates 6, le verset 7. Celui qui oppose à la vérité un scepticisme narquois ou une stupide indifférence récoltera ce qu'il aura semé. Cela explique comment il arrive à des multitudes de gens d'écouter avec une placide insouciance des vérités qui, un jour,
les remuait jusqu'au fond de l'âme. Fin de citation. Alors, on voit que Pharaon lui-même, par obstination, il avait rejeté tous les appels du Seigneur à la repentance. Les signes et les miracles en Égypte, ça constituait des avertissements divins que le roi avait méprisés. Pour cette raison, Pharaon a avancé dans le chemin de la ruine et il a fini par commettre le péché contre le Saint-Esprit. Maintenant, on peut retourner dans le cas d'Ésaïe. Sa mission était donc de proclamer le message de la vérité et de chercher à amener le peuple vers la repentance par des avertissements et des censures. Cependant, ce que Dieu est en train de dire à Ésaïe, c'est qu'il annonçait que le prophète aurait à faire face à une obstination et à une rébellion de la part du peuple d'Israël, à l'instar de Pharaon, le roi païen. La vie d'Ésaïe serait donc pénible, car il devrait subir l'opposition et voir à quel point les Israélites s'éloignaient du Seigneur de plus en plus. Et là, ça va pousser Ésaïe à poser une question. Ésaïe, chapitre 6, les versets 11 et 12. Vous y êtes? Je vais attendre un peu. Quand vous y êtes, dites Amen avec force. OK, allons-y. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons. Et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Tout d'abord, on voit que le même Ésaïe qui avait dit « Me voici, envoie-moi », le texte qu'on utilise pour galvaniser les troupes, pour dire « Allons prêcher », ben maintenant, il voit la laideur de la tâche qu'il a accomplie. Il demande à Dieu jusqu'à quand. C'est pas l'enthousiasme qu'il avait là, quand il bouillonnait, il dit, me voici, envoie-moi, on sent l'enthousiasme, on sent l'énergie. Là, Dieu lui dit une déclaration, et 15 secondes plus tard, il dit, wow, hé, hey, jusqu'à quand? L'enthousiasme, ping, passe. Comprenez, chers frères et sœurs, la tâche n'est pas bonne. Et ça, malheureusement, on ne le dit pas assez souvent. On va présenter le Ésaïe, me voici en vraiment, let's go, let's go, let's go. Et ça donne l'impression que tout va bien se dérouler. La personne qui entend ça, elle pense que tout est facile parce qu'on ne présente pas la tâche en tant que telle. Mais Ésaïe, il a vu la tâche et là, il commence à hésiter. Il dit à Seigneur, jusqu'à quand? Et il n'est pas en train de vivre ça. Il est auprès de Dieu. Dieu est en train de lui dire ça. Fait que lui, il voit ça de loin. Il dit jusque là. En d'autres termes, jusque là, quand devrais-je faire face à un peuple rebelle et obstiné? Jusque là, quand verrai-je mes frères rejeter les appels de repentance? Jusque là, quand verrai-je le malheur s'abattre sur Israël en conséquence de ses crimes? Jusque là, quand devrai-je subir l'opposition et la moquerie? Environ 15 secondes. Le discours du prophète et son attitude ont drastiquement changé. Son enthousiasme par rapport à sa tâche est rapidement parti, alors qu'il a été purifié. Chers frères et sœurs, la tâche de proclamer l'Évangile peut nous amener des situations répugnantes et repoussantes. On peut faire des expériences qui vont nous pousser à demander au Seigneur jusqu'à quand? Par exemple, là, ça va faire mal. Quand on voit la situation de Béthanie au fil des années, si on fait une ligne de temps depuis qu'on existe, on constate que notre cas est repoussant et répugnant. Ce n'est pas une besogne motivante
d'œuvrer au sein de notre congrégation. Malheureusement, Bethany n'est pas une source d'enthousiasme et de joie. On ressemble en ce sens beaucoup au peuple d'Israël au temps d'Ésaïe. Là, ça nous amène à la réponse de Dieu. Voici la question par rapport à la réponse de Dieu. C'est le verset 13. Le verset 12, si je ne m'abuse. Laissez-moi juste revenir. Voilà. OK. Fait que la réponse de Dieu, on l'avait déjà lu en fait. C'était que Ésaïe devrait exercer son ministère jusqu'au moment où la ruine va fondre sur Israël. Dieu, il annonçait une multitude de calamités qui aboutiraient à une population quasi inexistante. Et ce message, c'est aucunement encourageant pour le prophète. Sa vie consisterait à subir des outrages sur une base régulière et cela prendrait fin seulement lorsque le châtiment de l'Éternel s'abattrait sur la nation rebelle. Donc, je vais juste relire le verset 11 et 12 à partir de « Il répondit ». Et il, parlant de Dieu, répondit jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays serve devienne un immense désert. Ça, c'était la réponse du Seigneur quand Ésaïe lui a dit jusqu'à quand. Ésaïe, peut-être, a posé la question en disant, oh, il y aura un break, il y aura une lumière au bout du tunnel. Je dis non, il y aura la ruine. Similairement, on se pose la question suivante. Quel est l'avenir de Bethany? Est-ce que notre Église se dirige vers la ruine? Doit-on continuer de vivre dans cette congrégation? Faudrait-il aller ailleurs? Il y a des gens qui se posent ces questions-là, j'en suis convaincu. Pourquoi ce message, je sens que c'est pertinent, c'est que la nomination des nouveaux officiers d'Église commence sous peu. Au stade où nous sommes rendus, c'est crucial d'aller au Seigneur pour savoir quelle est sa volonté par rapport à notre assemblée et le rôle qu'il nous a assigné dans l'Église. On doit faire un examen de soi afin de prendre une décision en pleine connaissance de cause. En effet, la Bible déclare tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ça, c'est Romains 14, le verset 23. Sur ce, on va lire le verset 13 maintenant. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais, je répète, mais, comme le ténéraire et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce pain. En êtes-vous convaincu? Le Seigneur, il termine avec une promesse. Et on sait que les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Et on va dans l'histoire que c'est Bélin qui est arrivé. Ils ont fait 70 ans à Babylone. Il y a une sainte postérité qui est venue. Et pour cette postérité-là, Ésaïe prêchait dans son époque. Alors, cette promesse a constitué un message d'espoir pour le prophète. Et l'a sans doute fortifié et motivé à entreprendre la tâche repoussante et répugnante d'exercer un ministère au sein du peuple d'Israël. Il savait qu'un jour, une nouvelle génération ayant la crainte de Dieu prendrait la place. Les efforts qu'Ésaïe mettrait pour pousser le peuple à la repentance porteraient des fruits en bout de ligne, même s'il ne serait pas vivant pour les voir germer. C'est arrivé après sa mort, mais sa prédication a servi à ça. Similairement, malgré toutes les difficultés auxquelles Bethany passe actuellement et a traversé personnellement, ça c'est Jean-Michel qui parle,
Mais moi, je suis convaincu qu'il y a un reste qui va y aller. Et moi, je le vois, ce reste. Et pour ce reste, je considère que ça vaut la peine de continuer à exercer un ministère au sein du Ghana. Parce que je suis convaincu qu'il y a un reste. Et ça, c'est ma conviction personnelle. Mais si vous me demandez, je la base sur la Bible. Parce que moi, je vois des talents comme ça. Je me fie sur la promesse contenue dans Isaïe 6, le verset 13. Si Béthanie finit par devenir un désert, ben Dieu peut faire renaître un peuple de ce désert-là, une nouvelle génération de croyants consacrés. Pour conclure, je nous encourage tous à nous interroger sur nos motivations à évoluer au sein d'une église. Là, oublions Béthanie pour un moment, juste une église. Si on est tous adventistes, pourquoi allons-nous dans une église adventiste? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? C'est quoi nos motivations? Qu'est-ce qui nous pousse à y aller? Faisons de cela un sujet de prière. Il est crucial que nous allions à l'église avec un esprit de service. Je répète, c'est crucial que nous allions à l'église sabbat après sabbat, avec un esprit missionnaire, mais de service. Notre but en tant qu'adventiste du septième jour est la proclamation du message des trois anges. Peu importe dans quelle congrégation nous nous situons, c'est ça qui doit être la priorité. Si nous choisissons de rester à Béthanie en 2023, prenons l'engagement de nous investir pleinement au service du Seigneur. À plus forte raison, si nous acceptons d'occuper une fonction ézéchiale pour l'année 2023, mettons le maximum d'efforts pour le ministère en question. Cela nous permettra, sur le plan collectif, d'avoir un impact dans notre environnement immédiat, la ville de Montréal, et ensuite sur le monde entier, et de faire des disciples. Est-ce que vous êtes prêts à prendre cet engagement? Bien, prenons cet engagement, que le Seigneur soit avec vous. Et bonsoir. Et puis à la fin, on est revigoré par la promesse du Seigneur.